bonjour. Le travail parmi les enfants, c'est une mission de première importance, une mission urgente et une mission dont le fruit demeure. Concrètement, comment s'y prendre? En écoutant Jésus, je l'entends me dire « Ce n'est pas la volonté du Père qu'il se perde un seul de ses petits. » Et là-dessus, il se met à nous raconter la parabole de la brebis perdue et il ajoute « Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui est perdu. » C'est vrai que Jésus, face aux enfants, a un cœur ouvert. Et nous pouvons, à notre tour, ouvrir le nôtre. Comment? Tout simplement en demandant au Seigneur qu'il nous montre exactement où en sont nos enfants et les amis de nos enfants. Alors que je priais pour la ville de Lyon, nous étions un petit groupe préparé à évangéliser dans ces grandes huppes qui entourent la ville de Lyon, du côté de Vénissieux. Le Seigneur nous a donné une image intéressante. On voyait une mer glacée, déchaînée, où des enfants étaient en train de nager vers une petite île. Ils criaient et hurlaient et appelaient au secours, tout en se dirigeant vers l'île. Et alors qu'on demandait au Seigneur ce que signifiait cette image, il nous semblait comprendre qu'en fait cette petite île représentait le moment d'évangélisation offert aux enfants. Et qu'en fait, ils vivaient dans un environnement glacé où aucun amour, aucune présence de Dieu ne leur était offerte. Je crois que lorsqu'on commence à demander au Seigneur où en sont les enfants qui nous entourent, on va recevoir un cœur de compassion. On va recevoir une compréhension de où ils en sont et de ce qu'ils souffrent. En priant pour les enfants en Albanie que nous allions rejoindre pour leur donner l'évangile, le Seigneur nous a donné une autre image, envoyé un phare qui balayait les ténèbres. Et à chaque fois, les enfants qui recevaient le rayon de lumière se réjouissaient. Et puis tout retombait dans les ténèbres, jusqu'à ce que le phare refasse le tour. En demandant au Seigneur de nous expliquer pourquoi un phare, la lumière de Dieu, nous comprenions, mais pourquoi un phare, le Seigneur nous a dit, votre passage finalement, c'est comme le flash d'un phare, ça ne dure pas très longtemps. Si vous voulez voir du fruit en Albanie, il faudra faire un travail persévérant auprès des enfants. Et je crois que pour conduire les enfants au prince de la paix, il faut tout simplement d'abord recevoir son cœur pour eux. Et à partir de là, les manipulations nous paraîtront dépassées et inacceptables. Parce que c'est vrai, on peut manipuler un enfant, reconnaissons-le. Mais si votre motivation, c'est le cœur de Dieu pour eux, vous allez recevoir la force de prier, de préparer et de vous engager. Et ce n'est pas un petit travail, c'est un travail qui prendra toute votre énergie, mais qui en vaut la peine. Vous voulez voir des conversions? Demandez-les. Demande-moi et je te donnerai les extrémités de la terre, dit le Seigneur. En travaillant dans un club d'enfants, j'ai la chance, dans un petit village, d'atteindre toutes les nations. Le Zaïre, le Kosovo, l'Asie, la Turquie, la Mauritanie, tout est à portée de main au travers d'enfants qui viennent me rejoindre pour écouter l'Évangile. Mais je me rends compte que si je veux voir du fruit, il me faut d'abord non pas commencer par la partie visible de l'iceberg, les chants, la préparation, le verset, l'histoire, la musique, mais la partie invisible. Les trois quarts de l'iceberg sont en fait ce temps de prière et ce temps d'écoute auprès du Seigneur. Matthieu 12, verset 19 nous dit que si on veut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, il faut d'abord lier l'homme fort. Quel est l'homme fort qui régit au-dessus des enfants dont vous vous occupez? Même vos propres enfants peuvent être influencés par une autorité spirituelle négative dont vous n'avez pas idée. Mais c'est en plongeant au pied du Seigneur que vous allez voir ce qui
les empêche de vraiment recevoir et absorber l'Évangile. J'aimerais vous suggérer quelques idées d'hommes forts, tout en vous demandant de personnellement prier et demander au Seigneur ce qu'il en est. L'homme fort de la rébellion, très présent parmi notre jeunesse. L'homme fort de la violence, du kung-fu, ou même de l'occultisme qui se manifeste dans tant de dessins animés. L'homme fort de l'impureté sexuelle qui entre par les oreilles et les yeux de vos enfants au travers des émissions télévisées qu'ils ne devraient pas forcément regarder. L'homme fort du mensonge ou même du vol. Qu'est-ce qui lie les enfants et les empêche d'entrer pleinement dans l'évangile de vie? Qu'est-ce qui remplit leur cœur? Qu'est-ce qui les empêche de se tourner vers Dieu? Certains de nos enfants ont ce besoin naturel d'adorer et de donner leur cœur à quelque chose qui les dépasse. Si ce quelque chose n'est pas Dieu, c'est une idole. Ça peut être une idole du football, ça peut être une idole de la télévision, ça peut être Superman, je ne sais pas. Mais alors que vous priez, Dieu va vous révéler son cœur et vous montrer où en sont vos enfants et ce dont ils ont besoin pour qu'ils commencent à s'ouvrir, à recevoir réellement le Prince de paix. Je vous confie simplement cette tâche de prendre le temps de vous adresser à Dieu qui connaît et qui va vous ouvrir les yeux. L'enfant est capable de prendre une décision pour ou contre la personne de Christ. Et c'est à nous de lui proposer tout l'évangile. Il a besoin de repentance, tout comme les grands. Il a besoin de revenir et demander pardon. Nous avons dans ce travail à respecter l'enfant, à être doux et sensible. Jésus n'a pas dit « poussez les enfants vers moi », mais il a dit « laissez venir à moi les enfants ». Je crois que lorsque nous prions et recevons le cœur de Dieu pour les enfants, notre motivation pour leur donner l'Évangile devient une motivation claire et nous sommes en mesure de leur donner toute la bonne nouvelle. J'ai été particulièrement touchée par cette histoire racontée par une évangéliste, Claire Lise de Benoît, qui, lorsqu'elle se trouvait dans un camp d'enfants, a raconté l'histoire du bon berger. Et au premier rang, un petit garçon de 11 ans, à mi-voix, au moment de l'appel, a susurré « En tout cas, pas moi ». L'enfant est tout à fait capable de prendre une décision, pour ou contre. Mais ce même petit, dans le dortoir, était secoué de sanglots. Il venait d'une famille divorcée. Et le moment du coucher, le moment où justement maman devrait être là, c'est un moment difficile. Et lorsque la monitrice a pu dénouer ce petit tas tout secoué, elle a compris son histoire et a tout à nouveau, elle lui a parlé du berger. Ce berger qui est fort, ce berger qui a pris la brebis et qui l'a portée sur son dos. Ce berger qui n'est pas venu avec un bâton, mais qui est venu pour nous guérir et nous ramener à la maison. Et cet enfant a pu déposer son chagrin, sa vie, sa situation dans les mains du berger qui comprend et qui connaît et qui seul peut porter. Et je crois que lorsque nous prenons le temps de donner à l'enfant tout le conseil de l'amour de Dieu, à un moment ou à un autre, il va prendre sa décision. Et c'est à nous d'être assez sages pour ne pas le pousser mais l'attendre. J'ai été particulièrement défiée par le travail d'un pasteur de rue, Bill Wilson, qui travaille aux États-Unis, dans le Bronx, à New York, et qui s'est occupé des enfants de la rue. En 20 ans,
Son Église, qui est composée uniquement d'enfants, est passée de zéro à, devinez combien, non pas 1 000, non pas 2 000, non pas 5 000, mais 22 000 enfants qui composent sa paroisse. Et 4 000 à 5 000 adultes qui se sont ajoutés parce que touchés par le témoignage de ces enfants qui avaient changé de vie. J'ai été l'écouter et j'ai essayé de découvrir quel était son secret pour un pareil succès. Et à ma surprise, j'ai compris que c'est seulement en ayant une vie brisée, en passant par la croix, en renonçant totalement à sa vie, qu'il a pu toucher le cœur des enfants. Des enfants qui sont perdus, qui vivent dans un environnement de drogue et de prostitution. Et au milieu de cette détresse, il risque sa vie pour les atteindre, avec des équipes de jeunes qui sont prêts, elles-mêmes, à risquer leur vie pour toucher ces jeunes. J'ai vu que, pour que le message passe, il faut que le messager soit accepté. Et ce que font ces jeunes, c'est de commencer par des jeux et des chants. Et le jeu, c'est le parfum de Jésus, c'est gratuit. Et je peux vous dire que les enfants sont passionnés par les jeux et les concours qui s'adressent à eux et qui est suivi d'un message percutant, souvent joué sous une forme de scénette, très court, mais bien clair. Et à cause de ça, les enfants s'approchent de l'Évangile et ne veulent absolument pas rater ces moments. Maintenant, il faut reconnaître que nous pouvons à notre tour être ces agents pleins de sel dans nos quartiers. Vous pouvez commencer à l'occasion d'un anniversaire. Vous pouvez également vous adresser à des enfants qui sont les amis de vos enfants. Je crois que vos enfants sont les meilleurs messagers pour amener leurs copains à écouter l'Évangile. Ce n'est ni menaçant, ni difficile pour eux de répondre à l'invitation de leurs amis. Vous savez, notre témoignage auprès des enfants va toucher et percuter les parents qui sont derrière. Et ce qui est intéressant avec Bill Wilson, c'est que chacun des enfants qui est contacté lors des plein air est ensuite visité personnellement dans la semaine qui suit. Une visite courte, mais claire, qui vient pour inviter l'enfant à revenir écouter le message. Et c'est grâce à ces visites que dans le quartier, cette œuvre est reconnue, acceptée et estimée. L'enfant, c'est très simple. C'est la méthode de Jésus. Vous savez, Jésus nous dit qu'il est venu en chair et en os pour montrer, démontrer qui est Dieu. Il a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et avec les enfants, c'est très simple. J'entends et j'oublie. Je vois et je retiens. C'est pourquoi les méthodes audiovisuelles sont si percutantes. Je fais et je comprends. Et je me demande si certains d'entre vous ne sont pas tout à fait capables d'aller atteindre les enfants par leur témoignage, par leur amour et aussi en partageant la bonne nouvelle avec les amis de vos enfants. Dieu nous aime. Le plan de l'Évangile pour que nous puissions accepter Christ se divise en 5 points. Et ces 5 points sont très simples. Le premier commence au commencement, Dieu créa. Le Dieu créateur t'aime. Jean 3,16 nous le dit. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique. Mais notre réponse face à cet amour a été très décevante. Nous avons dit non à l'amour de Dieu et nous avons voulu faire ce qui nous plaisait. La Bible appelle cette révolte le péché. Et ce qu'on gagne à faire le péché, le salaire du péché, c'est la mort. C'est le drame de l'humanité, c'est aussi le cœur brisé de Dieu. Face à ce refus de son amour, face à ses conséquences qui amènent la mort, la vieillesse, la maladie,
la disette, la famine et la guerre, Dieu nous a pas laissé tomber. Il a envoyé son Fils, qui a accepté d'être puni de mort à ma place et à ta place. Et je me souviens de ce petit garçon qui vivait au fin fond du Burkina Faso et qui avait comme idole un petit morceau de terre qui, soi-disant, protégeait les récoltes. Et un jour, ce Dieu que lui et son père vénéraient a brûlé dans la case qui était remplie de grains. Et le petit s'est tourné vers le papa et a dit « Mais non, l'idole n'a pas pu brûler. » Mais le père, tout triste, a dit « Si, tout a brûlé. » Et dans le cœur de l'enfant, ça a été fini. Une idole qui n'est pas capable de se sauver et qui brûle, ça ne vaut rien. Et alors qu'il était à l'école protestante, on lui a parlé de ce Jésus qui ressuscitait les morts, qui guérissait les malades, qui pardonnait les péchés. Et là, très intéressé, il a ouvert son cœur. Jusqu'au moment où il a expliqué que Jésus est mort sur une croix pour nos péchés. Et dans son cœur, ça s'est refermé. Il s'est dit « Ah, ça ne vaut pas la peine ». Heureusement, la leçon suivante expliquait que 3 jours après, Christ est sorti de la mort et il est vivant. Et il nous parle et il nous appelle à marcher à sa suite. Et ce petit est devenu pasteur, missionnaire dans un pays entièrement éloigné du sien au Sénégal et actuellement dans un quartier d'1 million de musulmans témoigne de sa foi avec son épouse. N'oubliez pas de parler de Jésus crucifié mais ressuscité. Et Dieu montre son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore révoltés, Christ est mort pour nous. C'est l'histoire vraie qui s'est passée pendant la dernière guerre de prisonniers qui, en rentrant du champ, ont déposé leur pioche auprès du gardien qui les a comptés et qui a découvert qu'une des pioches manquait. Il a armé sa mitraillette et a dit « Je vous donne 3 minutes pour que le voleur se dénonce ». Et avant les 3 minutes, un prisonnier s'est détaché du groupe et a été massacré sous les yeux de ses copains. Le garde a recompté ses pioches. Il s'était trompé. Le compte était bon. Cet homme était absolument innocent, mais par amour pour ses copains, il avait donné sa vie. C'est le plus grand amour qu'on puisse démontrer. Cet homme était chrétien, ses copains le savaient, et suite à son geste, un réveil a éclaté dans le camp, pas simplement au milieu des prisonniers, mais même au milieu des gardiens japonais. Je peux vous dire que la croix, c'est l'histoire d'un innocent qui accepte de mourir pour des coupables. Pourquoi ? Par amour. Et c'est ça tout le message de la croix. C'est exactement ce qu'a fait ce prisonnier. C'est une histoire qui peut s'adresser aussi bien à des adolescents qu'à des adultes, qu'à des enfants. Mais c'est aussi un message qui finalement est tellement simple. Pour des plus petits, je prendrais la parabole d'animaux, parce que les enfants petits aiment tellement les animaux. Cette maman poule qui regroupait ses poussins en leur disant « Écoutez, je pars, mais ne quittez en tout cas pas cette cour car dehors il y a des animaux dangereux qui pourraient vous faire du mal. » Et les enfants ont répondu tous « oui maman, pas de problème. » Et lorsque la maman poule est partie, ils ont commencé à s'amuser, surtout le plus grand qui avait envie de jouer à cache-cache. Mais dans la cour, toutes les cachettes sont trop bien connues et il a proposé de sortir. Heureusement, la plus petite est intervenue en disant « Mais maman a demandé à ce qu'on reste dedans. » Alors il s'est tourné vers elle et lui a dit « Ben écoute, tu n'as qu'à rester dedans. Nous, on va aller s'amuser. » Là, elle s'est défendue que non, elle allait venir avec eux. Ils sont tous sortis et ils se sont beaucoup amusés dans la forêt. Et lorsque la mère est revenue, elle a découvert que la cour était vide et que ça sentait le brûler. Et en se tournant du côté de la forêt, elle a vu que la fumée avait déjà bien commencé. Un feu avait éclaté. Et dans son cœur de mère, elle a compris. Mes enfants sont là-bas. Et elle a foncé pour les regrouper. Elle a appelé. Et les enfants sont tous venus vers la maman, surtout le plus grand. Mais lui, il s'est dit, après tout, je cours plus vite que ma mère. Je n'ai pas besoin d'aller me mettre sous ses ailes. Et il est parti pour retrouver la maison. Mais le premier qui a brûlé,
c'est celui qui était l'aîné et qui disait « j'ai pas besoin de la protection de ma mère ». Le salaire du péché, c'est la mort. Mais tous les autres ont retrouvé protection sous les ailes de la maman. Et j'aimerais vous dire que lorsque le feu est arrivé tellement fort, elle a essayé de les sauver, mais tout a brûlé. Et le lendemain, lorsque le propriétaire a donné un petit coup dans ce corps calciné, il a eu un choc. Sous la poule, tous les poussins étaient vivants. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Combien de fois Jésus a voulu nous rassembler sur ses ailes pour nous protéger. Nous avons tous désobéi, le feu de l'enfer n'est pas loin. Mais Christ nous appelle. Qu'allons-nous faire? Dire « Oh, moi, je n'ai pas besoin de Jésus » ou venir et lui demander pardon? À vous de lancer la question aux enfants. Face à cet immense amour, je peux répondre « Seigneur, pardonne-moi, change-moi, viens me remplir de ta présence. » Et recevoir Jésus comme maître, c'est la possibilité qui s'offre à chacun, chacune. J'aimerais vous montrer un livre qui n'a rien d'écrit, un livre sans parole, un livre qui raconte l'histoire de la création du début à la fin. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre et il prit pour Adam et Ève un merveilleux jardin où tout était à leur disposition. Et c'est vrai que dans ce jardin où les petites framboises jusqu'au citron acidulées étaient pour eux, ils étaient heureux et ils pouvaient jouer l'un avec l'autre. Sauf un arbre qui leur était interdit. Dieu avait dit « si vous mangez du fruit de cet arbre, vous mourrez, mais tout le reste est à vous ». Et lorsque Dieu avait le dos tourné, un très bel animal s'est adressé à la femme, Ève, et lui a dit « Tu crois que Dieu t'aime ?»« Mais non, si vous mangez du fruit de l'arbre, vous ne mourrez pas, vous serez aussi fort que Dieu. » Et la femme, dans son cœur, a douté de l'amour de Dieu. Elle a pris du fruit, elle en a mangé, elle en a offert à son mari. Et ce jour-là s'est produit la chose la plus triste qui puisse exister. Nous avons dit non à l'amour de Dieu. Nous avons perdu volontairement sa présence. C'était comme une grande nuit. Et dans cette nuit, la mort, la maladie, la vieillesse, la détresse, les guerres sont entrées. Tout simplement parce que nous avons dit non à la vie de Dieu et à l'amour de Dieu. Et je me souviens d'un grand frère qui, dans cette nuit, conseillait à son petit frère d'arrêter de voler parce qu'un jour, ça se terminerait très très mal. Mais le petit frère se disait trop malin pour être arrêté. Et une nuit, il est entré dans la maison d'un homme et a volé. Et le propriétaire s'est réveillé et a crié au voleur. Paniqué, le petit l'a frappé d'un coup de couteau et s'est enfui, poursuivi par tous les voisins. Le seul endroit où il a trouvé refuge, c'était bien sûr chez le grand frère. Et quand le grand frère a vu son petit frère arriver avec une chemise tachée par le sang de l'homme, il a tout de suite compris. « Petit frère, retire ta chemise, prends la mienne. » Ils ont échangé de chemise. Déjà, les voisins étaient là et sans poser de questions, ils ont mis la main sur l'homme qui portait la chemise tachée. Il a été arrêté. Et l'histoire raconte qu'il a été condamné à mort. Et alors qu'il avait une dernière volonté exprimée, il a écrit une lettre à son petit frère. « Petit frère, aujourd'hui, je meurs pour toi. Ne vole plus jamais ton grand frère qui t'aime. » Lorsque le petit a reçu cette lettre, il a pleuré. Et pour la première fois, il a prié. Et il a dit « Dieu, non seulement je suis un voleur, mais c'est ma faute. Si mon grand frère est mort, j'ai du sang sur les mains. Si tu peux changer mon cœur, fais-le. » Et Dieu a écouté la prière de cet enfant.
de cet enfant qui sincèrement a demandé à changer de vie. Et il a trouvé un travail et il retournait vers ses copains voleurs pour leur dire « Ce n'est pas la peine de continuer sur ce chemin, ça peut très très mal finir. Mon frère a donné sa vie pour moi, pour que j'aie une nouvelle vie. Pourquoi ne voulez-vous pas démarrer sur une nouvelle base ?» Et cette base me parle du sang de notre grand frère à tous, Jésus, lui qui n'a jamais volé ni fait le mal, et qui a accepté d'être condamné à mort comme un bandit, lui qui n'avait rien fait, qui a accepté de porter ma condamnation pour mes désobéissances, mes vols et mes révoltes. Et si je demande pardon, Jésus est prêt à m'accorder cette chemise toute blanche qui n'est pas tachée, parce que lui a porté sur la croix la chemise infamante de tous mes péchés. Si tu demandes pardon, même si ton péché était rouge comme le sang, Dieu peut te purifier et te donner une vie nouvelle qui sera remplie de départs extraordinaires où tu apprendras, au lieu de voler les autres, à les aider. Pourquoi ne pas lancer à vos enfants ce message que Christ est mort pour leurs péchés, par amour pour eux, et qu'ils peuvent être changés, renouvelés, s'ils demandent pardon. Dieu nous aime et il peut vous aider à créer vos propres paraboles, pourquoi pas, qui racontent comment un innocent a donné sa vie pour vous. Qu'il vous aide à rejoindre vos enfants et qu'il vous aide à donner un message complet où l'enfant peut demander à être changé et à recevoir Christ comme maître et Seigneur.